c'est en train de s'annoncer là. Wamba, c'est chaud. Moi, je te dis, ça va être chaud. Pour l'heure, en fait, cette vie que vous appelez fake, pour moi, c'est une réalité. Quoi? S'il te plaît, je vais abréger parce que c'est trop long et puis c'est mélangé. Pourquoi? Ça donne un peu la paresse. Que laissez-moi vous dire. Ma chérie, pardon. Je ne veux pas débattre, en fait, de ma richesse sur Facebook. Non, non, pardon. Je vais devenir dépressive. Je peux pas supporter ça. Ma patience a des limites. La cousine. Toi, faut rire. Le danger même qui arrive là, tu sais pas, tu es en train de rire. Tu vas comprendre. Quel est le problème réellement? Vous voulez parler à nous, imbécile, des salons comme ça? Je suis une vraie influenceuse. Oh, comment ça? Ah, oui. C'est pas une mytho, c'est pas une menteuse. Excusez-moi, madame, vous êtes qui? Je suis l'infirmière, Leslie Escobar. Ah, vous êtes là. C'est moi qui fais le son. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est Zagadou. Je suis pas une menteuse. Une vraie influenceuse ne mange jamais. Le jour où il paraît, je vais filmer, mettre mon snap. Alors vous vous trompez vraiment sur ma personne. Ma chérie, faut commencer à la boucler pendant qu'il est temps. Ma chérie, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, ça sent le feu. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je porte un sac Gucci que j'ai acheté chez Gucci et que je le porte, c'est une réalité. Je veux pas. Des vrais potes, des sacs faux sacs, des faux culs. Oui, j'assume, j'adore les sacs de luxe. Et Kalama Abidjan. J'adore les sacs de luxe et je suis une maman digne parce que autant je porte des sacs de luxe. Dis la vérité. Quand il y a Lisa, même la fumée sort dans mes narines. Autant j'aime la vie de luxe et quand vous voyez mes enfants aussi, ils me reflètent. Un père à poil. Je vous dis que, allez là, coagulation en santé, les meilleurs foils. Une vraie influenceuse. Quand son sac est vrai, quand c'est goût du vrai. Toi, et comment des palpitations attrapent mon corps. Quelle est la dose en train de monter? Wow. Mais c'est moi épée. C'est moi épée, on m'a donné cadeau. Pourquoi vous êtes tout le temps en train de ramener le genre de choses? Elle était riche avant. Je n'ai jamais été riche avant. Oui, explique-nous. Avant, je vivais aux dépens de mon mari. L'argent qui était avant n'était pas à moi. Au contraire, c'est maintenant que je suis riche. Pour votre gouvernement. Avant, j'étais pauvre. C'est aujourd'hui, en fait, que je dépends réellement de mes finances. Toi qui vaux rien comme ça, toi qui n'es rien. Toi-même qui es l'incarnation de l'échec. Au contraire, c'est maintenant que je suis riche. Quitte-la. Non, tu vas te lever, elle t'est sainte. On dirait dame Zinimo là. Elle a croisé ses talons. Cri, cri, cri. Elle a sa taille, on dirait demi-poulant. C'est pas de ma faute, c'est pas c'est... Tu souffres de quoi? Nora, c'est pas moi. Arrête de faire ta voix. On dirait une petite fragile. Alors que où tu es là, là même, c'est que tu peux faire. Même le diable même ne peut pas avoir cette inspiration. Je vous ai laissé spéculer. Des faux culs. Vous êtes obligé d'attacher les gaines, 14 gaines sur vous. Pour ne pas respirer pendant toute la journée. Tout ça pourquoi? Tout ça là pour devenir jolie. Quand je vois le Congo, ça, ma chair ne tient plus. Ma chair a envie de se désosser de mon corps. Jésus. Et il y a les larmes derrière, parce que tu n'arrives pas à respirer. Tu n'arrives pas à avaler quelque chose. Tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives à rien faire. Mais maman, ça suffit. Même quand tu veux péter, ça sort pas, ça remonte dans ton corps là-bas. Il y a des 14 gaines sur vous. Ou bien? C'est pas de ma faute, c'est une personne. 14 gaines, assez de vérité devant du bac et tout là. Pas vous les gars, c'est que vous croyez que vous êtes l'homme. Des maudites comme ça, garçon, mais vous dépassez pour attraper. Plume, pas bien de vos mains. Garçon, un seul kiki net vous dépasse. C'est même pas des gens comme ça en fait, c'est-à-dire mais... Je sais, tu pleures, ça te fait mal. 4, 6, je vous êtes des faux combats de poisse. En fait, tu vois, vous voyez, c'est... Vous parlez à qui des bordels comme ça? Vous êtes là, on vous couvre nous pour rien du tout. Vous votez vos bas à plus de 15 ans.
point d'interrogation. Vous avez vu plus les peines musculaires, vous devez vous débattre plus fort, plus dessus. Ah, parlez-vous de venir insulter les gens pour profil. Moi, il va falloir que vous l'allez sur ma page ici. Voilà. Je vais bien vous montrer la différence entre le vrai sac et le faux sac de Mabodassim 2. Regardez le trait rouge que je fais quand on ferme le sac. Vous voyez bien les dés du Dior, soigneusement alignés en bas. Parce que la maison mère fait toujours un travail impeccable et minutieux sur ses sacs. Voici le sac Dior de Chamberlain. Vous voyez bien les dés du Dior alignés quand on ferme le sac, malgré que la photo fait effet miroir, parce que j'ai fait la capture dans la vidéo. Allons sur le faux sac de Mabodassim de maintenant. Voici le faux sac Dior que Maboda a posté sur son snap pour nous prouver que son sac est vrai. Regardez son sac quand on ferme, il n'y a pas les dés du Dior alignés, c'est tout un bazar de petits ronds. Tout simplement parce que les Chinois ne vont jamais faire exactement comme la maison mère. Il y a certains petits détails aussi sur le sac que je vais vous épargner, en attendant une autre sortie de la pafloteuse Mabodassim 2. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah, bâtard.